je commence à sortir des clivages, ouais, t'es tatoué, t'es un rocker, c'est mal vu, quoi. Non, au contraire, ça commence vraiment à être ouais, un effet de, c'est au-delà de l'effet de mode, c'est vraiment c'est un habillage. C'est un truc que j'ai dans la tronche depuis que j'ai 11 ans. Donc c'était il y a 30 ans, donc on était très 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 loin de l'effet de mode. Il y a 30 ans c'était encore pour les tolards, les voyous, les marginaux. Et à 11 ans, alors que mes parents sont absolument pas tatoués, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me faire tatouer. Et j'avais ça en tête et j'ai attendu ma majorité. Les femmes elles sont plus sur quelque chose de significatif, je pense. Il y a beaucoup de choses autour des parents, des enfants. Après, il y a aussi des pièces très féminines, donc elles ont envie de se féminiser le corps, donc avec des fleurs, des têtes de femmes, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des femmes qui font des choses d'art, mais il y en a beaucoup moins que des hommes. Le métier est en pleine expansion. Donc à partir du moment où il y a médiatisation, où il y a développement de l'activité, il y a forcément statistiquement plus de femmes.